Environ 2 mois depuis grève la levée, service urgence l'hôpital général Poco reprend activité Lyo, selon président syndicat travailleurs santé l'hôpital Université l'État. Evelyne Frémont souhaitait autorité qui la poussaille prend bon jambes pour corriger situation si là. Yon l'autre bord, directeur exécutif HUEH, le docteur Jude Milsey, dit l'hôpital a reprendre fonctionnement li tipa. Docteur Milsey souligné problème gaz là qui empêchait service urgence là bail service comme ça doit. On suit yon bout. Chaque jour mon malade a venir c'est vous y aller. Mais matin là, on chercher bonnes informations côté que y a dit médecin était capable prendre malade dans urgence. Mais vin bon problème courant. On connaît plus monde qui fréquente urgence dans l'hôpital, c'est monde qui plus accidenté ou du moins c'est monde qui gè plus gros malade, maladie. Courant, c'est capable de chaque 10h 11h yo passe. Vers zone 4h yo ba li encore passer pas gagné gaz pour mettre dans Delco. Mais gè des décisions capable prendre nous même syndicat n'a pas pillé. On prend oxygène. Malade pas qu'on acheter ça à l'hôpital général. Ou même pas qu'à venir là, mes amis, s'il a fait 2, 3, 4 mois couché là, pour chaque vie retourner, c'est l'hôpital là pour qu'il y ait l'oxygène. Au moins, on 2000 gouttes, on 2500 gouttes. S'il a fait 2, 3 mois, il n'y a pas acheté l'oxygène, là, ça n'a pas de problème. Là, on recommence simplement le 2 mai. Parce que nous avons notre officiel sorti que nous avons repris l'activité non progressivement. Au fur et à mesure, on a commencé ouvert de service. Nous avons commencé avec ça qui était plus facile pour nous, avec clinique externe. Au premier jour, 8 personnes, 10 personnes. Mais matin, nous avons passé, nous avons à peu près demandé des rapports, il y a 70 personnes et plus qui ont commencé à venir. D'accord? Nous avons un service d'ophtalmologie qui a commencé depuis 2 semaines et puis qu'on a commencé à prendre un petit régime. Ça va? Nous avons une maternité, la PC tant bien que mal, parce que la maternité, on est en pile urgence. Nous pouvons garantir l'électricité à 24 sur 24. Nous avons parlé avec le ministre des Travaux publics, là, qui est moins d'un week-end, nous avons gagné courant, EDH, mais matin, nous n'avons pas gagné. Donc, c'est sous génératrice et vous connaissez tout, il y a un problème de gaz dans le pays. Là. Donc, nous avons deux barrières qui font que nous n'avons pas qu'à travailler 24 sur 24. Mais qu'on y a qui ça a fonctionné, c'est clinique externe et puis service ophtalmo, service physiothérapie. Il y a orthopédie qui a commencé, mais pourquoi à plein régime? Parce que pourquoi opérer? Il y a une chirurgie qui a commencé avec clinique externe. Donc, on a fait des travaux pour peut-être semaine prochaine, nous commencer avec salle d'opération. Il y a une urgence tout, mais nous pouvons à plein régime, on a une urgence 24 sur 24, comme nous pouvons garantir, nous pouvons ouvrir à plein régime. Mais il y a un jeune résident qui a commencé notre triage, il y a un médecin service qui passait. Donc, c'est un point ça à nous avec l'hôpital.